Bon, voyons Tecum, ça fait quelques jours que je suis à Pinarello, comme vous voulez, dans cette jolie baie bien protégée parce qu'il n'y avait que du nord-ouest jusqu'ici. Et il semblerait que je puisse passer les bouches de Bonifacio. Il y a vraiment un trou de souris hein, pour passer. C'est cette nuit où ça souffle le moins, sinon... ça pète en rouge actuellement sur les bouches de Bonifacio et dans le bon sens. Et on va attendre que l'intensité baisse cette nuit pour se glisser dans ce trou de souris. Et parce que demain, ça reprend secteur ouest et on va être obligé de faire un prêt si on veut remonter vers Propriano, Ajaccio, Figari, je ne sais pas encore, sur ce côté-ci donc du sud de la Corse. Donc là, je suis en train de préparer le bateau et il me reste à mettre la navigation en route, le pilote automatique, le guindeau et puis voilà. On est à 95% ce matin. J'avais dans la nuit, j'ai tiré 100 ampères heure pour faire un film. L'ordinateur consomme beaucoup d'énergie. L'annexe est remontée, il me reste à la fixer. On va mettre Navionix en route. Navionix. D'abord, je vais le mettre sur le miniplex. Parce que là, il est sur mon iPhone. Je n'ai pas mis Starlink en route. Comme j'avais beaucoup d'énergie à récupérer, j'ai pas mis Starlink en route ce matin, j'en ai pas eu besoin de toute façon. Miniplex, ça y est, donc la tablette est connectée au bateau. On va pouvoir retourner sur notre programme. Hop, oui, mer, bien sûr. Ok, si tu veux, il faut confirmer. Oups, alors, nous sommes ici. Et là, en ce moment, c'est en train de donner à fond la caisse dans les bouches de Bonifacio. Donc, ce soir, à partir de 21h, 22h, ça commence à s'atténuer, ça descend, on va essayer de trouver un mouillage par là en attente. Je ne sais pas ce que je vais faire de toute façon. Et puis si je vois que ça peut le faire dans la nuit, parce que demain, c'est modéré dans ce sens-là, et après, hop, ça vire et ça revient dans ce sens-ci, mais de façon modérée. Voilà, donc, allez, on attache l'annexe, on s'est baigné ce matin, deux fois, on est allé au village, alors ceci dit, il y a un ponton où vous pouvez accrocher votre annexe en toute sécurité. N'hésitez pas à l'accrocher, il y a eu un message sur Navili à tous les bateaux qui étaient dans la baie hier, comme quoi il y avait quelqu'un qui s'était fait voler son annexe Cabesto à l'arrière du bateau. Je la remonte tous les soirs, ça fait un exercice, mais la laisser comme ça derrière le bateau la nuit, non, même avec un câble comme il faut. S'ils sont vraiment mal intentionnés et qu'ils veulent vous piquer votre annexe, même avec un câble, ils viennent avec un coupe-câble et c'est vite fait. Alors peut-être que vous l'entendrez, le chclac, hein, mais si vous ne l'entendez pas parce que vous avez le sommeil lourd. On va préparer Antecum pour le départ, sortir la grande voile de son lazy bag, enlever la main de fer. Et puis si on peut utiliser le vent un maximum, eh bien, on va pas gêner. Bon, je vais faire probablement du prêt dans un premier temps. Allez, on va créer ça. Ok. Alors la grande voile est sortie. La balancine. On va essayer de descendre un peu. Alors, on va lui donner un peu de mou.
mais pas trop quand même. Oh, Catherine, qu'est-ce que tu me fais? Pas trop, pas trop, pas trop. C'est comme ça aussi. Le halba, c'est celui-ci. Alors ça, c'est bien lâché, hein. Ok. Là-bas, on verrouille. Ok. Je vais déverrouiller ça. Sortir le plus rapidement possible le génois. On va l'éclaircir. Voilà. Ok, maintenant ça. Tac. Voilà. Prêt à être déroulé. Et maintenant, plus qu'à mettre le moteur en route. On vit. On cache. Ok. Les boulots sont fermés. On vérifie. Ok, Gando, Auto. Et ben, il n'y a plus qu'un. Et on se casse. D'une semaine qu'on est là. Ça y est les loulous, c'est parti sous voile dans le golfe de Pinarel. On est parti de là-bas. On va être obligé de tirer un bord bien sûr pour pouvoir sortir par là. Je surveille mes fonds ici parce que ici il ne faut pas y aller. Voilà, tout doucement on quitte la baie de Pinarel à la voile. On n'est vraiment pas pressé sur ce coup-là. C'est sûr que s'il y avait un petit peu plus de vent, ce serait plus sympa. Mais bon, on va faire avec ce que l'on a. Même si c'est pas grand-chose, on se débrouille. Anticoum, il a des voiles. Il y a un tout petit peu d'air, donc il peut s'en dépatouiller. Bon, il va falloir retirer un bord en revanche. Manifestement, là, il faut le virer le bord. Hein. Allez, on va aller tourner à côté de la bouée. En attendant de pouvoir passer les bouches de Bonifacio et on va attendre que ça baisse. Je me suis mis en stand-by ici, je vous fais voir pourquoi. Je me suis mis en stand-by ici. La houle vient comme ça, donc je suis de ce côté-ci de l'île. D'accord? Et pour l'instant, ici un peu plus bas, là, je suis pas protégé du tout. Là non plus, c'est rouge.
à 7h jusqu'à 21h, 22, et après, alors là, jusqu'à 1h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 2h du matin. Parce qu'après, vous voyez, hop, ça repart dans l'autre sens, à 13h. Donc, moralité, bah, il faut que je passe cette nuit. Je m'en suis rapproché un petit peu par rapport où j'étais. Alors bien sûr, je me suis ancré dans le bleu, hein, dans le sable. Il y a des taches brunes un peu partout, mais l'ancre est là. J'ai mis pas beaucoup, j'ai mis 15 mètres pour l'instant. Panneau comme quoi certainement l'île est protégée, qu'on n'a pas le droit d'y aller, j'imagine. Enfin bon, je vais pas, de toute façon je n'ai pas l'intention d'y aller. Voilà, et je suis protégé de la houle qui rentre comme ça. Pour une fois, on laisse ça en stand-by comme ça, on repart normalement cette nuit. Voilà, même jour, un petit peu plus tard, il est 20h33. Je vais me diriger vers les bouches de Bonifacio. Petit point carte tout à l'heure. J'avais... Alors, on va regarder ensemble. Je viens de remettre en route les instruments de navigation. Miniplex. C'est pas la joie. On va avoir jusqu'à 35 nœuds dans les bouches. Alors, déjà, pour me rendre ici, j'en ai, il y a 14 nautiques. Allez, pour 2h30, 3h. 3h, il est 20h30, 23h30, 23h30. Mais 23h30, donc on va regarder la météo à 23h30 dans les bouches de Bonifacio. Là il est 20h, donc 22h et 23h. On devrait se trouver par ici vers 23h, et là on devrait avoir 24-25 nœuds pour faire l'empannage. Donc on se mettra tranquillement vente arrière et on empannera le plus doucement possible, pour ensuite après prendre un cap vers la côte en passant au sud de la Vezzi. Alors il y a plein de saloperies par ici, puis il risque d'y avoir quelques cargos. Et après, vers 2h du matin, on va avoir un vent travers. Et après, ça se calme vers 4h du matin. Voilà le tableau. On va tout de suite mettre un riz dans la grande voile. Et on va y aller. Ça y est, les petits loups, on vient de partir. On est à 171 degrés du vent bâbord. Et sur le fil du rasoir. Hop, attention, pas l'empannage. Si toutefois, on va rester près de l'écoute de grande voile, on ne sait jamais. Allez, c'est parti. Il y a un caillou ici. Ici, on a quoi? 3 mètres. On ne sait pas ce qu'il y a. Bref, faut qu'on fasse attention quand même. Bon, voilà, c'est reparti de la houle. Pas trop de vent pour l'instant. Mais j'ai que ce créneau-là. Après, je peux attendre encore 10-15 jours. Alors, hop! Ça a été décidé, le petit créneau, la petite fenêtre cette nuit, je l'ai prise. Bon, voilà la situation à 22h02.
on se rapproche. Parti là, après une pause. Je suis sous-toilé par rapport au vent actuel, mais j'ai pas envie de faire le zouave ici. Tout à l'heure, tout seul, à rentrer des riz dans la GV et dans le génois. Donc tant pis, j'avance pas très vite pour l'instant. Ce qui est en ma faveur parce que de toute façon, plus tard dans la nuit, ça baisse un petit peu. Donc il est possible même que j'arrive un petit peu trop tôt. Déjà. Par rapport à ce qui est annoncé. Alors. Voilà. Alors là, nous avons 21h. Nous sommes à quel endroit? Tac. Nous sommes ici, le point bleu. Ok. Et dans une heure, à 23h, dans 2h même, il est quelle heure là? J'ai dit, il est 22h. Donc à 23h, dans une heure, ça pète encore un peu ici. À minuit, ça pète toujours. Donc, on va bien voir. De toute façon, j'ai mes riz de rentrer, donc ah, je vais pas tarder à rentrer dedans le orange. Hein. Donc là, il y aurait 22 nœuds. 23, si c'est ça, ça va, c'est supportable. 24, 25, 25 nœuds, 27 nœuds là, par contre, bon, mais je suis pas là, par contre, là, après, ah, est-ce que ça va baisser vraiment que vraiment beaucoup plus tard, hein, quand même, hein. Un petit peu en avance quand même, on va bien voir. Vous faire voir grand chose, hein. La côte on la voit pas, là c'est un moment un petit peu plus calme. Et ça bouge, hein. Alors bien sûr, attaché, hein. Et radio.
bien trempé partout. Je me suis ramassé des vagues. Je te dis même pas. Allez. Le plus dur est fait. Ça, c'était chaud, ça. Et puis l'empennage ici. Maintenant, on roule. La difficulté, c'était de passer là, parce que le vent était fort comme ça. Et je voulais pas que ça me rabatte sur les îles. S'il forçait, il forçait, le danger, c'était que je sois obligé d'abattre et puis de me rendre sur ces îles-là. Donc j'ai préféré passer sous le vent de celle-ci, plutôt qu'au vent de façon... Ou alors il aurait fallu que je passe très loin. Mais là, c'était la zone de tous les dangers. Jusque ici, où j'ai empanné. Ici. Donc là, j'avais le vent comme ça. Je suis venu de plus en plus vent arrière. Et quand il a fallu que je passe la baume de l'autre côté, tac, j'ai pris un cap de 20 degrés tribord pour faire passer la baume en douceur. Avec le vent qui soufflait quand même assez fort. Voilà. Et puis là, tu vois, ben, y a quand même pas mal d'obstacles. Et maintenant, le dernier obstacle à éviter, c'est celui-ci. Donc on va passer là. Et ça tartine toujours pour finalement aller se rendre probablement ici. Bon, voilà. Donc si vous avez bien suivi, partie de Pinarel, ici, un petit peu en attente ici, aux îles cervicales, sur ici l'île Piana, et hop, après, c'était parti. Alors là, zone de tous les dangers, un vent qui a forci beaucoup ici. Alors j'ai essayé de me tenir le plus loin possible de cette des îles Lavezzi. Ici on voit l'empannage. Alors de plus en plus vent arrière, il y avait un petit truc à éviter ici bien sûr. De plus en plus vent arrière, et là, tac, empannage, et là, ça avance toujours, un fond, obstacle à éviter encore ici,
Il est 2h du matin. Je viens d'aller faire le constat de ma consommation électrique. Là, ça va bien. Ça va très très bien même, puisqu'on est à 90,3%. Avec la nav en route, avec le pilote, on va dire pratiquement à la moitié de la nuit. Quoi. Alors juste avant, là, quand j'étais aux îles cervicales, j'ai changé mon petit truc, il était mort. Il était mort, donc je l'ai changé, il est tout neuf. Ah, ça envoie les loulous. Hein. Finalement, on ne voit pas bien, mais... Jusqu'à 8 combien? Ça bouge. La vache. Alors, 8,7 nœuds. Quand je l'avais plein de travers là, tout à l'heure, là, avec des vagues monstrueuses. Les vagues qui vont avec un vent de 20 nœuds, quoi. Dans les bouches. Ici, c'est là que j'ai fait la pointe plus forte, ici par là, là. Ah, ça dégouline, hein. J'ai pas mis longtemps à descendre. Hein. J'avais qu'une hâte, c'est commencer à prendre du vent arrière. Et là, la mer du coup est devenue beaucoup plus agréable. Puis là maintenant, il y a des vagues, mais c'est plus rien par rapport à ce que c'était ici, quoi. Tout ici, là, c'était... de la houle comme ça là qui rentrait à fond la caisse quoi. Alors évidemment, ce qui n'était pas prévu, c'est les orages. Ça m'a pété tout autour toute la soirée et un qui m'a pété même pas trop loin. Si seulement ça avait pu pleuvoir un bon coup, mais il a plu un petit peu, mais pas beaucoup. Les paquets de mer que j'ai ramassés. Et là, je dis merci, mes protections NV, parce qu'avec ce qui tombait sur le pont là, ça tombait jusque sur le bimini. Hein. Allez. À plus tard. Là, je l'ai à bâbord, dans Técoum. Et en réalité, je la vois à tribord, moi. La sud. Alors, elle est là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai dû en louper un. 1. 2, 3, 4, 5, 6 et une longue. Donc c'est une sud, c'est bien la sud. Bon là, sur la tablette c'est fou. Mais ce qui me rassure c'est que je passe bien au sud là. Et puis que j'ai des petites oranges qui sont du bon côté. Ça c'est les petites oranges. Et celle-là c'est la sud. Donc je passe, alors je passe bien, elle est là, en fait sur la tablette, elle est là. Et je l'ai bien à droite moi. C'est l'essentiel. Allez, le loup là, ça tartine fort. Deux riz,
enfin un riz dans le génois, un riz dans la grande voile. Et on est encore à 9 nœuds quoi. Ouais. Pour un vent de 30 nœuds là. Alors ce matin, bien arrivé, avec une nuit bien mouvementée juste à côté de moi lors du temps, j'ai été leur faire un petit coucou ce matin à la nage. Bonjour Christelle et Nico, on se voit plus tard. Bon, ce matin, on repart vers les bouées de Campo Moro, car le mouillage ici ne va pas être safe pour la nuit prochaine. Donc, décision a été prise, et puis pour rester aussi avec Nico et Christelle, d'aller à côté à Campo Moro sur des bouées 32 euros la nuit, et il y a des bouées de disponibles. Donc, 5 minutes et on lève le camp. Bon là, la bécane est repartie ce matin. Il est 11h35-36. Tu le reconnais, le Nico ? Voilà l'approche sur Campo Polo. On l'a fait au génois seul. Il va falloir qu'on remonte un petit peu près serré, je pense. Non, prêt. Mon plein. Mais ça va le faire au génois. Ça va le faire très très bien. On marche à 4,5 là. Régler un peu mieux.